Les prospectus. Ah, faut s'en méfier, hein. Ah oui, c'est comme les petites annonces immobilières. Oui, parce que moi, mon appartement, je l'ai eu dans les petites annonces. Alors, sur l'annonce, il y avait marqué « Coquet studio, très ensoleillé, dans immeuble bourgeois ». Bon, attention, il faut traduire les petites annonces, hein. Coquet, ça veut dire petit. Ben, le mien est très, très, très coquet, hein. Il faut se méfier de leur diminutif, hein. Comme kitchenette, comme studette. Une studette, c'est un petit studio. Alors, coquette, studette, c'est carrément la maison des Schtroumpfs, quoi. Hein. Très ensoleillé, c'est sous les toits. Et immeuble bourgeois, eh ben, c'est vieux. Ben, il faut comprendre, hein, ils sont pas fous dans les agences. Ben, ils peuvent pas marquer chambre de bonne minable au 7e étage sans ascenseur dans immeuble pourri. Hein. Calme, c'est sur cours. Et plus c'est calme, plus le mur d'en face est près de ta fenêtre. Chez moi, c'est tellement calme, je suis même pas dérangé par les rayons de soleil. Hein. Non, non, mais c'est normal, tout ça. Hein. Il faut traduire une petite annonce. C'est comme moi, quand je passe une annonce matrimoniale. Ah oui, je suis pas fou. J'écris homme, 1m95, PDG, sportif, bien dans sa peau, et plein d'amis. Non, oui, je suis pas fou. Hein. Je vais pas écrire homme cherche femme, n'importe laquelle, pour fellation, sodomie, sadomaso, et plus y affinité. Non, non, puis c'est traître les petites annonces. Hein. L'autre jour, j'avais rendez-vous avec une jeune fille, blonde, distinguée, 1m80, tu parles, 1m80. On aurait dit qu'elle avait avalé un pneu. Ça, pour se distinguer, elle se distinguait. Hein. Et puis aussi, une vraie petite coccinelle. Hein. Point noir, bouton rouge, point noir, bouton rouge, point noir, bouton rouge. J'avais qu'une seule peur, c'est qu'elle sourit et que ça me pète à la gueule, moi. Ah. Ah. Une vraie petite bête à bon Dieu. Enfin, elle était plus bête que bon Dieu, d'ailleurs. Hein. Alors, non, puis je sais pas si c'était pour se faire remarquer ou si elle était moche exprès, mais j'ai passé l'âge de jouer avec des tortues ninja, moi, hein. Alors oui, et je vis seul, je suis seul. Mais c'est pas pour autant que j'ai jamais eu de femme de ma vie. Ou encore que je vais voir les prostituées. Non, j'en suis pas là, merci. Hein. Alors, faire l'amour avec quelqu'un qui travaille... Ah, puis en plus, ça a vachement augmenté. Hein. Non, non, moi, les femmes, j'y crois. Je suis croyant, mais non pratiquant. Puis, j'ai même essayé l'échangisme. Hein. Il faut dire que tout seul... C'est pas facile, hein. J'allais voir les mecs et je leur disais « Elle est belle, ta femme. Tu me la prêtes ?» Ils me disaient « Ouais, mais tu me files quoi en échange ?»« Bah, je sais pas, un bounty ?» Alors, on me dit toujours « T'aimes que les femmes des autres. Pourquoi ?» C'est simple, hein. C'est parce que les autres en ont. Mais de toute façon, pourquoi une femme qui couche avec plein de mecs, c'est toujours une salope ? Et pourquoi un mec qui couche avec plein de nanas, eh ben, c'est jamais moi. Après, c'est vrai qu'il y a du choix. Hein. Et moi, mon genre de femme, il n'y en a pas 36, hein, c'est très simple. C'est celles qui veulent. Sur Terre, il y a 4 femmes pour un homme. Qui a piqué ma part? Après, je le sais, les femmes aiment autant faire l'amour que les hommes. Alors nous, les romantiques, quand une femme nous dit non, on se dit oui, bon... Elle veut pas, mais c'est parce que elle aime pas ça. Mais non, elle aime pas ça avec toi. L'infidélité. Ben, l'infidélité, ça commence pas quand tu couches avec une autre femme. Hein. Non, l'infidélité, ça commence quand ta femme la prend. D'ailleurs, en amour, il vaut mieux être fidèle ou bon menteur. Imagine, il y a une petite fée qui arrive et qui te dit « Choisis un vœu. Soit tu seras fidèle et tu vivras toute ta vie pépère, soit tu seras infidèle jouisseur, et ta femme la prendra jamais. Qu'est-ce que tu choisis? Si tu choisis fidèle, t'as raison. T'es déjà un très grand menteur.